Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de map sur FS19 et aujourd'hui on est sur la map Schamberg Valley, donc le même créateur que la Coronella, à ce que j'ai cru comprendre. Elle est pour tout le monde la map, alors est-ce que les joueurs console auront exactement la même chose qu'on a sur PC? Je ne sais pas, donc vous me redirez. Tout ce que je sais, c'est que bon, les cultures habituelles, ça, bon, c'est l'habitude, hein, les cultures d'origine. On a les tomates, pas mal d'autres cultures aussi, et on a, à ce que j'ai lu, la culture de... sur cette carte, vous pourrez profiter des brebis laitières. Ça aussi, c'est nouveau et c'est plutôt sympa. Et en gros, pour profiter de tout, enfin, tous les avantages. Toutes les choses dont de la map, il faudrait commencer un nouveau fermier. Donc le problème, et j'en reviens souvent dessus, c'est que sur serveur, tu peux pas commencer un nouveau fermier. Tu commences directement en moyen ou en difficile. Donc c'est un peu rip pour les serveurs. Après, il faudrait peut-être tester pour voir, mais voilà. Donc on a des fermes préinstallées, 4 écuries préinstallées, vaches, chevaux, cochons et moutons. On a 50 champs, 8 zones forestières. 3 bunkers d'ensilage, un béja, un biomasse, une grande variété de points de vente qui disent. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ils nous mettent stockage de balles grâce au script, nouveau type de culture, véhicule adapté pour la culture de tomates, carottes, oignons, la destruction de culture, bon, ça c'est comme d'hab, le maïs plus qui est compatible, le mode saison, et il y a également le DLC Straw Harvest et aussi le DLC Précision. Et donc du coup, je pense que j'ai fait le tour sur ce qu'ils mettaient en description. Ok, donc ça c'est pour la description de la map. Donc pour revenir dessus, cette fois-ci, donc le chickpeas, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas trop regardé encore d'ailleurs. On a deux champs. Donc, semé avec ça. Le 45 qui est juste là derrière. Si on peut ressortir de là-dedans. Je vais aller voir un peu la gueule que ça a quand même. Ah, je peux pas passer. Ah! Ah, vas-y, j'ai la flemme de mettre en route la console. Chiasse, je vais faire le tour, c'est pas grave. Donc on a ça, on a les tomates, on a un truc exprès pour pouvoir les récolter, justement. Oignons et carottes, ça c'est pareil, on a ce qu'il faut pour les récolter, je vais vous montrer juste après. Et donc du coup, ça c'est du chickpeas. Ah, je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin bref, peu importe. On a... les lentilles, le rail, à chaque fois je me trompe, c'est seigle, je crois. Le triticale, spell, donc alpha, ça c'est luzerne. Trèfle, régras, je crois, si je dis pas de conneries. Le horse grass, pâture grasse, les carottes, oignons, tomates et le miscanthus. Voilà un petit peu pour ce qu'on a en termes de culture, donc pas mal de choses, énormément de choses même. En ce qui concerne la ferme, on commence avec celle-ci. Qui est ici le champ 29 et le champ 30. Donc, dans la ferme, on a le poulailler, on a l'atelier, donc ça c'est pour la réparation. On a de quoi créer la semence et de quoi créer, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'organique. On regardera après, on va y aller tout de suite. On a un pâturage à vache ici. Après, pour le reste, j'ai pas trop regardé, j'ai pas tout fait le tour. Je me suis dit, je vais pas tout faire pour une fois. Là, on a l'enclos à gouris qu'on verra plus tard également. Et puis voilà, je crois, et les chevaux qui sont ici. Alors, est-ce que les chevaux font partie de notre ferme? Non, pas du tout, c'est à racheter, c'est après. Ok, on va s'y rendre justement à la ferme où on commence. Donc, on a justement cette histoire-là. Donc, on ramène du lisier, du digesta, ou du fumier, ou du compost. Et ça nous donnera de l'organique fertilisant. Ok, et donc du coup, pour répandre ça, justement, il va falloir aller là-dedans. Donc là... qu'est-ce que ça nous prend? Ça nous prend l'eau, le lait de brebis, et ça je ne sais pas ce que c'est. Ok, donc là on a les machines pour récolter les tomates. Ici on a l'enrubanneuse pour le trèfle et puis la luzerne. La presse pour le trèfle et la luzerne. La récolteuse à carottes, la récolteuse à oignons. Celle-là apparemment elle fait tout, donc oignons, carottes et betteraves, je dirais. Ok. Là, c'est toutes les barres de coupe. Ok, donc patate. Là, c'est pour la semence que tu crées, je crois. Si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Donc, engrais chaud. Et pareil, organique fertilisant. Ah, si, d'accord, ok. J'ai compris.
J'ai compris, j'ai compris. C'est pour le fertilisant qu'on crée, nous. Ok. Donc les semoirs qui vont avec, etc., etc. Et les grosses semoirs en grès. Et on a également la pailleuse. Et donc, du coup, ça, c'est pour le. Cette culture-là. Alors, attendez. Comment elle s'appelle? Je me rappelle déjà plus. Pour le chickpeas. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est? Je suis curieux, merde, my bad. Chickpeas. En français, ça donne quoi? Ah, des pois chiches, ok, my bad. Ok, donc on a les pois chiches. Ça fait de la paille, ça? Matt, je sais que t'en fais, toi. Des pois chiches. Est-ce que ça fait de la paille, ces trucs-là? Juste pour savoir. Ok, donc on a ça. Ici, on a du stockage. Ok. De ce côté-là, pareil, on a du stockage aussi. Donc je dirais du stockage de tout ce qui est air, paille, foin, etc., etc. Est-ce qu'on peut l'allumer? Monter. Non. Ah, on peut monter. Oula. Et l'activer. Ok. Ok. Ça marche. Ensuite, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? On a du stockage d'autres choses. Ok. Un bâtiment de stockage ici. Là, on a pour créer nos semences. Donc, lisier ou digesta et du blé ou de l'avoine, ça nous fait de la semence. Et on a pas mal de stockage en fait. Énormément même. En gros, il nous a pas fait commencer avec avec ce qu'est animaux. Il nous a fait commencer avec tout ce qui est bah, tout le reste, quoi. Tout le stockage de toutes les cultures, etc. etc. Donc là, c'était pour le maïs plus. En effet, c'était marqué dessus. J'ai pas fait attention. Ici, le stockage de patates et ici, le stockage de betteraves. Ok, ici, ça doit être stockage de céréales. Et donc, du coup, là, on vient d'y aller. Ici, qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Rien de particulier, tu stockes ce que tu veux apparemment. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le fuel. Est-ce que c'est le fuel? Bonne question. Est-ce que c'est le fuel? C'est pas écrit. Faut se pointer avec un tagazu pour le savoir. Ok. De ce côté-là, on a du stockage une nouvelle fois. Ici, pareil. On a énormément de bâtiments en fait. Là, on a la même cuve, donc ça doit pas être du fioul là cette fois-ci. Ça doit être d'autres choses. Il faudra tester pour le savoir. Donc là, on ouvre la porte de derrière. Ok. Putain, on a pas mal de stockage, mais j'y comprends rien du tout, Maurice. Je n'y comprends rien. C'est incroyable. Il faudrait tester pour le savoir et j'ai pas testé. Malheureusement, bah, c'est écrit. Ok, des pastèques. Ici, c'est. Je ne sais pas quoi. Alors attendez, pour cette histoire de pastèque, comment ça se passe? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Déjà, est-ce qu'on a un point de vente à ça? Normalement, oui, ouais, là. Ça et ça, ok? Pas de souci. Comment on les crée après? Parce que j'ai pas de panneau d'information, Roger. J'ai rien du tout. C'est emmerdant ça. On va voir la porte. Ah non, c'est pour la fermer. Ok. Donc là, ça me marquait ouvrir porte en fait. Et là, ça me... là en fait, ça me marque ouvrir porte et quand je l'ouvre, ça me la ferme. Bon, enfin, on va chercher à comprendre, c'est pas très grave. Ok, donc il va y avoir des trucs à ramener ici. Et il va falloir chercher quoi? Ok. De ce côté-là, on a du stockage encore. Et c'est tout pour cette partie-là. Ici, on a encore du matériel. Je vais regarder juste après d'ailleurs. Là, on a du stockage de céréales. Et là, on a l'atelier. Effectivement, l'atelier qui est caractérisé sur la map ici pour atelier de véhicule. Ok. Il y a déjà pas mal de choses à comprendre à la ferme avant de que ce soit automatique. J'ai pas encore tout compris, hein, logiquement, mais il y a du boulot. Ici, on a les tomates et ici, on a les copeaux de bois. La canne à sucre, my bad. Ok. Et ici, on a du stockage aussi. Et ça, je ne sais même pas à quoi ça correspond non plus. Ok. Alors, il va falloir reprendre la route pour venir jusque-là. Ou est-ce qu'on a un petit chemin sur le côté comme ça? On a encore du stockage là. Ça fait un peu beaucoup de choses, je trouve, là. Pour le coup, on a un petit chemin pour revenir là. Ok. Ok. Donc, chaque silo a son truc. Ce qui fait que ça t'amène énormément de bâtiments.
Et donc du coup, quand tu connais encore pas trop les logos et tout, c'est un peu compliqué. Mais ça s'apprend vite, hein, une fois que tu as cultivé une première fois, ça s'apprend assez rapidement. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? On a la mésangue, ici on a les carottes et ici on a les oignons. Ok. Donc chaque culture a son stockage, une nouvelle fois. Et là, on a du stockage de lisier, je dirais, ou peut-être digesta. Tiens, j'ai descendu. Hop. J'ai descendu. Ok. Je pense qu'on a fait globalement le tour de la ferme. En garage, qu'est-ce qu'on a? En garage, on a bah, tout ce qui est. Déjà, pour répondre du organique, on a un seau. Ça, c'est dans l'auto, c'est pour mettre de l'eau. Ok. Les tracteurs, pas mal de bordel d'ailleurs. Grosse benne aussi. On a tout le matériel pour commencer. Tout le matériel, tout le matériel. Ok, alors, on va redescendre côté chevaux. Ça fait beaucoup de choses, hein. Ouh, c'est compliqué. Et tout ça va être sur console. Je suis assez impressionné pour le coup. Parce que vous savez, il y a cette histoire de, comme d'habitude, de blabla pour Giant avec les nouvelles cultures, ça passe pas et tout. Apparemment, ce serait le cas. Donc pour les chevaux, on va descendre là. Et on a le parc. Alors du coup, tu peux rentrer dans le parc. Tout est dans le parc en fait. Les deux auges, tout. Tout, tout. Où est le point d'achat? Ah, il faut la racheter. C'est ça. Alors, peut-être pas forcément. Je suis peut-être allé trop vite. On va pas tarder de le savoir. Alors là, on a des silos. Pour tout ce qui est bottes. Donc là, on a le point d'achat. Ok. Ici on a les bottes. On a des bottes un peu partout. Là pour le coup je suis un peu moins fan. Parce que les chevaux peuvent se promener dans les bâtiments et tout, ça me tente un peu moins, mais bon, voilà, globalement, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Et ici on a un stockage. Alors on a même plus que ça. Ouvrir le menu. C'est trop cheap. Ah donc c'est le stockage à bottes de comment ça s'appelle? De pois chiches. Ok. Donc là c'est pas indiqué. Si tu vas pas dessus. Pile, tu le vois pas. Hein. Ok, donc ça c'est pour les bourrins. Pas de soucis. Donc là, on a fait à peu près le tour d'ici. Putain, c'est pas évident à comprendre. Donc les vaches. Alors les vaches, je crois que c'est le truc d'origine même. Donc le bâtiment d'origine, effectivement, hein, il a poussé sur les cultures et tout le reste. Fallait bien que d'un autre côté, ben, à mon avis, de l'autre côté, il a pas pu. Changer le bâtiment de vachetière et tout parce que ça allait faire trop de poids une nouvelle fois. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est resté dans le bâtiment d'origine. Après le champ est quand même gros. Le champ il est énorme, on a l'auge à flotte, bon dedans on a l'auge à bouffe, etc. etc. Je vous représente tout le bâtiment. Vous le connaissez. Ici on a un appentis, ici on a un bâtiment de stockage. Il y a une grosse place histoire de pouvoir rajouter un petit peu ce que tu veux également. Donc il y a moyen que ça se fasse. Et le silo de stockage de maïs est de l'autre côté de la route. Il est ici. Donc voilà, globalement, pour ce qui est de la partie vachetière, un peu moins travaillé, hein, pour les raisons que je pense que je viens de citer. Mais tu as moyen de finir la ferme correctement si toi tu places toi-même ce que tu as envie. Ok, donc ça c'était pour ce qui était des vaches. Les gouris qui sont ici, au-dessus de la map. Donc les gouris, c'est. Alors ce bâtiment-là, c'est le bâtiment d'origine, mais il a agrandi le parc. Une nouvelle fois, donc ça fait un gros parc. Auge à bouffe, auge à flotte. Faux salaisier qui était ici, je crois. Voilà. Ici, c'est le trigger d'achat, je suppose. De toute façon, je peux pas parce que la ferme est pas à moi. Et donc, du coup, de l'autre côté, alors là, on a encore un trigger. Est-ce que je peux l'acheter? Ça fait chéro, j'ai pas de thune. Est-ce que je peux revendre le bordel de chevaux là? Putain, je peux pas. Nick. Bref, il doit y avoir un trigger d'achat et le trigger de paille. Donc peut-être que celui-là, c'est celui de paille et l'autre, c'est celui d'achat. Enfin, il y en a un des deux, ça se passe comme ça. Et là, on a la fumière. Ok. Ok. Et du coup, en stockage, on a deux appentis. Alors là, pour le coup, c'est pareil. On a de la place si toutefois vous voulez rajouter un silo de céréales pour avoir tout à portée de main. C'est faisable. C'est faisable, c'est faisable. Ok. Du coup, je vois un autre trigger à peine plus haut. Je vais aller ouvrir une autre icône. À quoi ça correspond? Le biomasse bunker. Ok.
Ok. Donc là, on a pour charger. Pas de souci. Et donc, du coup, comment ça se passe pour celui-ci? Donc là, tu mets ton bordel. Ah! Splinters. Qu'est-ce que c'est que du Splinters, une nouvelle fois? Je suis perdu. Là, c'est pareil. Ok. Et donc, du coup, là, on a la composteuse. Ok. Est-ce qu'il faut y ramener du gasoil à celle-ci? On dirait. Il faut ramener du gasoil. Et donc, du coup, là, on met la marchandise. Sur le panneau, c'est censé être écrit, c'est pas écrit. Je suppose que tu mets de la paille. Et du gasoil, et il te ressort du compost. Ok. Il y a des trucs qui sont pas écrits. Hein. Par contre, pour celui qui débute sur FS19, enfin, pour celui qui débute sur farming tout court, il y a pas mal de choses qui sont pas indiquées, malheureusement. Et donc, il y a peut-être des gens qui vont être un peu perdus. Mais bon, c'est vrai que pour ceux qui en ont déjà fait, normalement, tu devrais pas être trop perdu. Tu sais à peu près comment ça se passe. Surtout celui qui a fait les anciens farming. Ok. Donc, ça. C'est pour ça, ici on a une réserve de flotte. Ok. Et désolé, petite coupure. Donc là on a la réserve de flotte. Ok. En dessous on a quelque chose qui est à nous apparemment déjà. Alors je vais sauter là-bas. C'était quoi ce petit bidule jaune qu'on avait tout de suite? Qu'est-ce que c'était? Le milk deposit. Donc celui-ci? Ou il y en a un dedans peut-être? Open. Open. Open n'importe les from ton milieu. Alors c'est pareil. Est-ce qu'il faut. Je vais faire le prêt. Hein, parce que autrement je vais être perdu. Je suppose que le prêt, on peut en faire une grosse. On peut emprunter vraiment beaucoup, je pense. Donc ici. Ici, on a tout ce qui est from ton. Effectivement. T'amènes du lait et de l'additif. Et il te ressort du from ton. x8. C'est marqué. Donc l'addictif, tu le commandes en palette. Bah, c'est écrit. Natural Rennet. Ok, bah c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tu peux acheter du méthanol. Tu peux acheter du sweetener, je sais pas ce que c'est. Et des sacs de semences. Ok. Les palettes. Est-ce qu'on peut avoir des trucs en palette? Non. Là, on a les seaux. Metal cage, ok. Un seau en galva. Un vieux seau. Un seau en plastique. Là, on a les caisses et des palettes. Ok, bon, en botte, normalement, c'est bon. Et là, on a le fertilisant organique. Ok. Bon, jusque-là, à peu près compréhensif quand tu regardes un petit peu tout. C'est quoi cette histoire d'échelle pour monter sur le toit? Parce que je la déco, je suppose. Ok, il n'y a pas d'heure, apparemment. Il n'y a pas d'heure. Bon, tu me diras, c'est à nous, donc on fait un petit peu comme on veut, mais voilà. Là, il y a des petits panneaux. Ok. Donc là, on avait le fromtongue. Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Les moutons, normalement, mais j'ai pas fait attention. J'ai pas vu les moutons. Nos cochons. J'ai pas vu les moutons comme un bebeu. Donc on verra après si on arrive à les trouver. Là, il y a encore quelque chose là. Ah, c'est le tour de map. Le tour de map qui a 15 millions de boules. Aise, cher, cher, cher. Ici, on a apparemment une place pour pouvoir faire une ferme. Alors, je voudrais bien y aller. Faut que je traverse le champ 8, par contre, ça va être long, c'est pas grave. C'était marqué dans la description qu'il y avait des places pour pouvoir faire sa propre ferme. Je suppose que ça, c'en est une. Donc, il y a moyen de refaire une ferme ici. Il a vraiment taffé un petit peu sur tous les points. Comme j'ai dit, mis à part l'histoire des vaches où ça reste simple et des cochons où ça reste simple, il a quand même agrandi les terrains. Donc bon, voilà. Et il a laissé la possibilité de pouvoir terminer sa ferme comme tu veux. Donc c'est plutôt sympa. Je pense quand même que la map, elle pèse un peu lourd quand même. Alors j'ai pas fait attention au fichier justement qu'on télécharge, mais ça doit peser un peu lourd quand même. Il a dû pas mal optimiser le truc. Bon, après, il sait mieux que moi. Hein. Voilà, en effet. Donc, ça, on a une grosse place pour faire une ferme. Ok, donc là, à toi de voir comment tu veux faire. Et je crois qu'on en a une deuxième en dessous de place. Je vois encore un truc gris en dessous de nous. Je vais aller voir vite fait. Ok, donc on a une deuxième place ici pour pouvoir en faire une deuxième. Ou alors la même, mais que tu coupes en deux. Ok.
Eh bien, il y a pas mal de choses, monseigneur, pas mal de choses, pas mal de choses. Alors, je suppose qu'il y a encore d'autres trucs qui sont un peu, pas cachés, mais il va falloir acheter pour voir les icônes. Il y a de fortes chances que je les montre pas aujourd'hui parce que je vais pas les voir. Donc là, on a le ranch. C'est pour acheter les chevaux. Oh. Ah non, c'est tout ce qu'il y a à nous, ça? Non, c'est pour acheter un petit peu tout. Ok. Donc là, logiquement, tu viens acheter les chevaux ici. Ok. Ici, on a le magasin, Tessine. Donc le magasin. Le magasin, on a une grosse place un petit peu déco sur le côté, comme ça. Est-ce qu'on a des horaires d'ouverture? 7h21. Ok, donc c'est ouvert normalement. C'est pas ouvert. Donc il y a un décalage d'une heure alors. Parce que c'est marqué 7h21, il est 7h21. Donc je suppose qu'il y a un décalage d'une heure, ça va ouvrir à 8. D'ailleurs, on peut le vérifier le temps que fasse le tour du magasin, ça devrait ouvrir à 8. Donc ici, on a le magasin, on a un petit atelier. Ok, le magasin, il faut rentrer par la Pucho. Ici, ok, et ici, on a le trigger d'atelier. Alors, laisse-moi passer, s'il te plaît. Je suis un peu gros. Hein. Et donc, du coup, le trigger doit être dans l'atelier, je suppose. Ça doit se passer comme ça, à mon avis. Du coup, il est 8h et en effet, ça s'est ouvert. Donc voilà, à chaque fois que vous voyez un panneau 7h, ce sera 1 heure plus tard. Par exemple, normalement, fermeture, c'est marqué 21, je suppose que ce sera 22. Ok. Donc voilà pour ça. Ici, on a une station-service. Ok. Donc le reste, on verra après. Le négociant des animaux. Le négociant des animaux, donc. Oula, je suis un peu du père. Donc on a même une auge à bouffe et tout. Ah, c'est sympa ça. Un petit bâtiment. L'auge à flotte, auge à bouffe. Ici, c'est une partie du bâtiment d'origine. Et du coup, t'achètes juste devant. Il n'y a pas l'air d'avoir d'heure d'ouverture. Ok. Et donc ici, ça va faire également. Soit stockage, soit point de vente. Le Slaughter House. Le Slaughter House. Normalement, il n'est pas censé être dedans. Ok, donc est-ce que c'est du stockage ou est-ce que c'est que de la déco? Voir si je spawn dessus. Ça arrive en plein là. Ok, donc on va avoir du stockage. Logiquement, hein, puisque c'est en blanc. Il y a même un petit panneau devant la porte. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Pareil, là je vois les panneaux dans le mauvais sens, mais à mon avis, il y a des horaires d'ouverture. C'est marqué 7h21h, donc c'est encore 8h, 22h. Ok, donc ça c'était pour ce qui était point d'achat. On va essayer de faire un peu dans l'ordre comme on peut, parce que sinon demain matin je suis encore là. Donc ici on a le point de vente des bottes. Ok, donc pas mal de bottes histoire de faire un peu de déco et te dire que c'est là que tu vends. Ok, il y a même mis des bâtiments de stockage. Jusque-là, pas de soucis. De ce côté-là, on a la station-service. Et bien, je vais TP du coup. Ici, on a le Fertiberg. Alors, Fertiberg. Fertiberg, donc c'est pareil. Apparemment, on vend. Alors, Fertiberg. Fertiligène. Qu'est-ce qu'on nous prend ici? Fertiberg. On nous prend ça. Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie? C'est du compost, ça? Je suis pas sûr. Enfin, ça fait pas beaucoup de sous hein, pour du compost. On nous prend. Putain, je suis incapable de vous dire ce que c'est. Du fumier. Je dirais fumier compost. Là, on nous prend l'ensilage aussi. Et c'est tout. Alors, attendez. Donc, fumier. Compost, en effet, j'avais raison. De l'ensilage. Et là, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est un truc blanc. J'hésite à dire de la chaux, mais ça m'étonnerait. Ok, donc ça, c'est pour ce point de vente-là. Il y a deux grosses cuves là. Et on va pouvoir. Est-ce qu'on peut acheter? Peut-être, hein. Il y a un trigger devant, donc peut-être que c'est possible. Ok. De ce côté-là, on a le dairy. Birouski. Le dairy, c'est tout ce qui est lait. Lune à Domingo. Donc là, cette fois-ci, c'est ouverture. Donc c'est marqué 8h-20h. Ça devrait être justement 9h-21h. Voilà, on décale toujours d'une heure. Donc là, c'est tout ce qu'elle est. Est-ce que ça prend les fromages? Le dairy. Le dairy. Alors je parlerai d'à 100% à chaque fois parce que tout le monde m'en attend encore là. Hein, doutez-vous bien. Le dairy, on nous prend même les céréales. Elle est où la grille?
Donc le lait, effectivement, je vais regarder s'il n'y a pas une grille derrière. Le lait de Bobby. Putain, on nous prend des céréales. Le trigger est là. Jusque-là, pas de souci. Il y a une grille. Il n'y a pas de grille. Il n'y a pas de grille. Donc apparemment, on baigne ça là-dessus comme un cochon. Peut-être. Peut-être, peut-être. Faut tester. Faut tester, faut tester. Ok. À part s'il y a une deuxième partie de dairy possible. Là, c'est quoi? Local distributeur et grid. C'est pas la même chose. Donc, tu baignes peut-être ça comme un cochon là au milieu. Ici, on nous prend les carottes, les oignons, la canne à sucre et les tomates. Ok. Ça marche. Donc, ça fait des petits silos. Et du coup, de l'autre côté, comme ce, on nous prend. Ne va te déranger pendant que tu joues. T'es rarement un enculé, Lorenzo. Putain, quand tu t'y mets, c'est terrible, là. Le grid trad. Le grid trad. Donc là, on nous prend les œufs. Ça fait un gros truc, tout ça, pour des œufs. Ah, puis les nouveaux. Alors, les pastèques, les machins, les pelés. Les bidons, là. Le sucre. J'ai pas vu. L'huile. La farine, il a gardé tout ce qu'il y avait de la coronella aussi. Les planches, les tonneaux avec les fleurs. Et plein de trucs que j'ai. Putain, j'ai encore du mal. Hein. J'ai encore du mal, j'ai encore du mal. Donc, il va y avoir des choses que je n'aurais pas montré dans la vidéo, probablement. C'est pas probablement, c'est sûr à 200% parce que il y a beaucoup trop de trucs. Le pig food silo. Donc, le stockage de bouffe à cochon. Alors, on peut même le créer apparemment. Il n'y a pas écrit comment on le crée. Du maïs tritica. Ah oui, bah les trucs d'origine. Ok. Ok, bah tu peux les créer ici. Ça, c'est pas mal. Tu peux l'activer et tout, soin de soin. Alors. Bon, effectivement, j'ai pas laissé le truc en démarrage manuel. Donc, il va s'éteindre à chaque fois que j'en descends. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc, c'est un point de vente. Le Pic Food Silo. Il a, par contre, pour le coup, il a peut-être cuté avec les avec la couleur. Parce que là, il n'y est pas. Et il est en jaune. Donc normalement, en jaune, c'est un point de vente. Là, pour le coup, ça ne l'est pas. Ok. Ici, on a le mixé de ration silo. Donc là, pareil, même principe. Ça doit être pour les vaches. Voilà, en effet. Et pareil, il l'a laissé en jaune alors que normalement, c'est censé être blanc. Bon, c'est pas grave. Mais voilà. C'est juste histoire de le rappeler. Ici, on a une place pour mettre un petit peu tout ce qu'on voudra. Ok. C'était juste au-dessus des cochons. Ça, on a vu. Ça, on a vu. Ça, on a vu également. Là, on a le West Coopérative. Donc là, pour le coup, c'est un point de vente. Mais là, cette fois-ci, il est blanc. Bon, c'est pas grave. On a la grille pour te montrer que c'est les céréales. Une grosse entreprise avec des silos. Et du coup, l'entrée est ici. Ok. Pas bien, c'est bien rempli quand même, hein. C'est bien rempli quand même, il y a pas mal de déco et tout. On a même un panneau devant la porte, le mec a pensé à beaucoup de choses. Ici, cette fois-ci, on a le grid biomasse on of the East. Alors j'ai spawn dedans, c'est le BGA. Ok. Du coup, on récupère le digesta ici. Et on a un deux silos. Deux gros silos. Trois silos même. Donc t'as déjà de quoi faire. C'est encore une grosse entreprise. Pas trop mon dada, mais bon. On a la bitrude. Ici, on a un bâtiment de stockage et ici, on a juste une vis qui se promène là au milieu. Ok. Ok. Ensuite, juste en dessous, on a les. Ah, c'est les vaches. Juste en dessous, on a David the Old Farmer qui nous prend, je ne sais pas quoi. David the Old Farmer, il va nous prendre. Il va nous prendre herbe fin paille. La paille de pois chiche, je dirais, du coup. Et les trucs du maïs plus et tout, enfin bref. Bon, là, globalement, ce qu'ils prennent. Ok, on a même l'herbe à cheval et tout le bordel. Ok. Ici, on a le garbage collection. Donc là, c'est pour les sacs, en effet. Putain, c'est une décharge, je crois, en fait. Oh, le mec, il a poussé le truc. C'est un truc de. Mais si vous avez tout ça sur console, les mecs, passez votre vie sur cette map-là avant la sortie du prochain farming, je vous le dis tout de suite. Passez votre vie dessus. Là, est-ce qu'il y a des horaires? On dirait pas.
Alors, pour voir si c'est des horaires ou pas, c'est facile, il faut aller se mettre à la porte et tu cliques dessus. Mais apparemment, il y aurait des horaires puisque je peux pas ouvrir la porte. Et il n'y a pas de panneau qui m'indique les horaires. Merde, ah ben, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Donc, du coup, c'est la décharge. Ici, on a le sugar industrie. Donc, ça nous prend les carottes et puis la canne à sucre. Les carottes, ça fait du sucre? Sugar industrie. Sugar industrie, ça nous prend la betterave, la canne à sucre. Ah, peut-être une erreur de texture. C'est une erreur de texture. Du coup, là, c'est une texture carotte alors que c'est betterave, normalement. Bon, rien de grave. C'était juste histoire de vérifier. Ok. De ce côté-là, on a le village carpenterie. Donc là, c'est copeaux de bois et bois entier. Trigger est là, l'icône est là. Ok. On a le son avec et tout. Oh, c'est sympa. Il y a pas mal de déco aussi. Ça me va. J'aime ça. On va tâcher de ressortir sans TP. Ça va être chaud. Horaire de sortie, 8h22h. Ok. De ce côté-là, on a plusieurs choses. Ah, je peux pas sortir, milliard de Dieu, c'est terrible. On a. Alors attendez, je vais regarder. On a le small business. Business. Le small business, qu'est-ce que c'est? Le small business, pareil, il est de couleur blanche, alors que normalement il devrait être de couleur jaune. Les œufs. Et apparemment, c'est tout. Ah, puis les autres trucs, le sucre, etc. etc. Ok. Ok. Donc il y a même de la concurrence pour les œufs. C'est plutôt sympa. De l'autre côté, nous avons encore autre chose. Et on arrive à 32 minutes de vidéo. C'est terrible. Ici, on va nous prendre tout ce qui est laine et coton. Ok. Une petite entreprise aussi. Bien sympa. Logé au fond de la cour. Un petit panneau. Horaire d'ouverture, une nouvelle fois. 7h21h, donc 8h22h, encore une fois. Ok. Le ranch, on l'a vu. Le sugar industry, on l'a vu. Ici, on a le fuel station, encore une fois. De ce côté-là, on a la Sousserne coopérative. Donc, pareil, peinte en blanc, alors qu'elle devrait être en jaune. Donc, on va les céréales ici. L'entreprise est à peine plus vide, pour le coup. Bon, il y a un peu de déco quand même, mais elle est à peine plus vide. Pareil, dehors des horaires d'ouverture, une nouvelle fois, on va regarder sur le panneau devant la porte. 8h22h, encore une fois. De ce côté-là, on a le Garden Market. Donc. Oh, joli ça aussi. Donc la jardinerie. Alors, je suppose qu'ils vont nous prendre fumier, lisier, digesta. Le Garden. Je me rappelle plus du nom. Market. Garden Market. Oh, ce bordel qu'il y a dessus. Pouah! Il n'y a pas écrit. Garden Market, j'y pas. À part si je viens de passer trois fois devant, ce qui est possible, je me connais. Non, il n'y a pas. Donc là, pour le coup, tu dois stocker alors. Bizarre. Bah, je suppose que oui, puisque. Est-ce qu'il y a une horaire d'ouverture? Il y a une horaire d'ouverture, donc non, il y a erreur, monseigneur. 8h22h. Alors, est-ce que ça n'a pas un autre nom? Garden Market. Quel point de vente prend fumier lisier là? On avait le Fertiberg et c'est tout. Ou alors le lisier pour le coup. Bah, lisier c'est pareil, le lisier il n'y a personne qui prend. Oh, il manque un petit quelque chose. Il manque un petit quelque chose ici que je ne saurais expliquer. Ok. Le Slaughter House, on l'a vu. Ok. Et donc, du coup, voilà, bah, globalement, on a fait le tour. Alors, on a fait le tour. On a fait le tour de ce que j'ai vu. Parce que il y a l'usine à huile, je ne l'ai pas trouvé. Il y a l'usine à farine, je ne l'ai pas trouvé. L'usine à sucre, je ne l'ai pas non plus. Donc, logiquement, il y a encore des choses. Ah bah, voilà. Usine à huile. Alors, eau, biodiesel, tournesol. Et ça nous donne du voile sunflower. Ok. Donc, ça se met. Un petit peu comme dans un tacalé. Un peu comme pour faire le comment ça s'appelle? Le fromage, my bad. Là, pareil, on a encore un truc à fromage ici. Donc là, ça va être peut-être pour le fromage de brebis cette fois-ci.
Trainette et sleep sheep milk, voilà, c'est ça, fromage de brebis. Et de l'autre côté, on a les espèces de tonneaux. Et ici, bah, c'est les tonneaux. Oh, et laminate board palette, et ça nous donne du wooden barrel. Ok, donc pour les tonneaux. Ok, donc on a trois ateliers l'un à côté de l'autre. De ce côté-là, c'était quoi? C'est la place qu'on a vue tout à l'heure, ça, où il y a encore une usine? C'est la place qu'on a vue tout à l'heure. Ok. Alors, attendez, on va regarder si on ne peut pas trouver autre chose avant de stopper là pour aujourd'hui. Donc là, c'est les deux places qu'on a vues tout à l'heure. Ici, peut-être. Ok, donc là, on a un truc. Et il y a une autre place à côté. L'autre place à côté, c'est juste une place. Ok, donc ici, on va faire tout ce qui est farine. J'ai eu le nez fin, j'ai trouvé. J'ai pas fait exprès. Donc, on amène de l'eau, du biodiesel, du blé et de l'AWAN. Et ça nous donne des palettes de farine. Ou alors des sacs, peut-être. Ah, on peut pas rentrer. Ok, donc je pensais qu'on allait pouvoir rentrer. On peut pas rentrer. Ok. Ok, elle est grille et tout le soin de soin. Allez, venez voir, je retourne juste où j'étais tout de suite. Mais milliard de Dieu. Alors, wool, wheat, flour, palette. Donc, ça nous donne des palettes. Ok. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? On a vu la farine, on a vu l'huile, on a vu le fromage, on a vu les tonneaux. Est-ce que j'ai oublié d'autres choses encore? Farine, huile, tonneau, le sucre. Il y a d'autres choses encore probablement que j'ai oublié, mais c'est pas facile à trouver. Là, il y a encore autre chose. Là, oh, là, con. Là, j'ai pas d'argent. Nick. Ça va qu'on peut faire un gros prêt. Hein. Ok, ici, je suis sûr qu'il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Et ici, peut-être. Il y a quelque chose ici aussi. Donc, un endroit pour. Ah, juif, c'est là. Donc, c'est pas la même chose. Là. Alors, attendez. On va monter voir tout ça. Donc, comment ça se passe, Maurice, ici? On ne sait pas. Je ne sais pas. Ah, biodiesel, barley, juice et wooden barrel. Ça nous donne des barrels juice. Des barley, juice, barrel. Alors, barley, c'est quoi? Pareil, je vous conseille d'avoir. Ok, je vous conseille d'avoir le Google Trad pour ceux qui ne comprennent pas les langues étrangères un peu comme moi, parce que autrement vous allez taper du pire. À tes souhaits, madame. À tes souhaits, madame. Et donc, du coup, de ce côté-là, on va faire tout ce qui est planche, je dirais. Donc, pareil, il va nous falloir du gasoil. Alors, est-ce qu'on a le panneau d'info qui traîne par là? Là, on a. Au biodiesel et copeaux de bois, ça nous donne justement. Tout ça. Ok. À tes souhaits. Je vais y arriver, t'inquiète pas. Et donc du coup, de ce côté-là, c'est juste pour faire de la déco. Est-ce que j'ai oublié d'autres choses? Je refais un tour quand même. Là, il y a l'air d'avoir quelque chose encore. Putain, mais j'ai jamais de thunes, c'est incroyable ça. Incredible. On peut monter jusqu'à combien après? Bon, quoi qu'il en soit, j'ai assez. Merde. J'ai assez. Donc j'ai dit où ici. Ok, il y a autre chose ici. Il y a biogaz production. Eau, biomasse ou fumier, ça nous donne du biogaz. Ok. Ici c'est la place qu'on a vue, je ne me rappelle plus. Ouais, c'est la place. Ici il y a quelque chose peut-être. Ouais, il y a Pellet Factory. Je ne le vois. Oh, biodiesel, biomasse. Ok, ça nous donne des palettes de biomasse. Ok, il y a encore d'autres choses, hein, probablement, mais là, on a déjà fait pas mal le tour. Là, il y a encore autre chose. Compost Master. Ah, ben, c'est celui qu'on venait voir. Bon, on connaît. Et je pense que là, ce coup-là, il doit pas rester graillot. Là, il y a encore autre chose, c'est du biodiesel production. Organique, méthanol et soja tournesol ou colza, ça nous donne du biodiesel, donc ok. Et me dites pas quand même que vous allez avoir tout ça sur console, ce serait ouf. Quelqu'un a trouvé les bons scripts à faire pour mettre tout ça sur console? Ce serait sympa. Ce serait sympa. Et je crois qu'on a fait globalement le tour, je dirais. Peut-être là encore.
Mais j'ai plus d'argent, c'est incroyable, c'est de votre faute là. Vous me faites tout bouffer. Ah bah je suis au bout. Je suis au bout, je suis au bout. Donc là, qu'est-ce que c'est cette cochonnerie là? Y a rien. Bah je pense qu'on a fait globalement le tour hein. Cette fois-ci. J'ai pas trop le sucre. Mais enfin, si tu veux trouver les choses, il faut chercher. Tiens, tu vois, il y a encore quelque chose. Du watermelon. Ah, c'était ça, c'était les melons que j'ai pas trouvé. Ouais, c'est ça. Nick. C'était ça. Et donc, du coup, tu fais pousser là. Alors, panneau d'info peut-être? Pas de panneau? Pas de patate? Si. Eau, biodiesel et garden seed. Et ça nous donne du watermelon. Ok, et de l'autre côté, puisque il y en a un deuxième. J'ai plus d'argent. C'est terminé. Vas-y, vends. Et là, c'est la même chose, du coup. Du huerto de melon orca melon. C'est traduit en plusieurs langues, en plus. Au biodiesel garden seed, et ça nous donne du melon. Ok. Eh ben, je pense que là, cette fois-ci, c'est déjà pas mal. De toute façon, j'ai plus de thunes. C'est terminé, Maurice. On a fait globalement le tour, je pense. Il y a encore autre chose. Ah, le sucre. Voilà. J'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai pas fait exprès. J'ai trouvé. Ok, donc je pense que si tu veux te lancer sur une map pareille, soit quand t'es tout seul, tu fais par chose, mais quasiment. Ou alors, soit faut être une tripotée. Le truc d'être une tripotée, ça revient à ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que. Ils mettent que pour profiter de toutes les choses qui sont présentes sur la map, il faut commencer un nouveau fermier. Sauf que justement, sur Servo, on ne peut pas commencer un nouveau fermier. Donc c'est con. C'est chiant même. Ou alors il y en a un qui héberge la partie. En multi-classique. Donc, de l'eau, du biodiesel, des betteraves sucrées ou de la canne à sucrer, ça nous donne des palettes de sucre. Ok. Eh bien, on a fait tout le tour, je pense, messieurs, dames. J'espère que la présentation vous aura plu. C'était long, très long. Et encore. À mon goût, je trouve que je suis pas trop rentré dans les détails non plus, mais bon, voilà, vous voyez un peu la taille de la map et les choses qu'il y a dessus, c'est quand même globalement pas mal déjà. Bah, du coup, voilà, un petit peu ce que j'avais à dire sur la map, très belle map, énormément de boulot à faire dessus. Je sais pas si on va aller dessus. Faudrait que je regarde. Si en fait, si on va dessus, il faudrait que j'abandonne une agriculture biologique, parce que ça ferait trop de choses à faire à la fois. Mais je vais voir avec les garçons s'ils veulent absolument aller dessus, lâcher celle où ils sont pour l'instant et aller dessus. Il faudra qu'on regarde sur serveur si ça passe. Ou je sais pas. Ou je verrai avec Fred qui s'y connaît un petit peu. Et voilà, bref, je vous redirai de toute façon, on verra bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée si vous êtes à la vie dans la soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!